Salut à toutes et à tous, c'est Sinandar59 et nous voici pour la suite de mon let's play sur les chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire. Et donc, pour ce début de let's play, je suis avec Shiryu, le chevalier du dragon. Et je vais me diriger vers la maison du masque de mort, qui est entre autres le chevalier du cancer. Donc, a priori, je vais faire les deux prochaines maisons, comme toujours. Alors, un chevalier noir. Pégase noir. Genre, il préfère qu'ils font Pégase contre Pégase, mais bon, là, je sais pas pourquoi ils mettent Pégase noir ensemble, franchement. Ah, franchement, les histoires des mini-boss, ça me plaît pas du tout. Déjà qu'ils mettent Cassios sur la maison du taureau, déjà là, ça va, franchement. J'ai trouvé ça bizarre, allez, ils vont me plein la tête. On va mettre 7ème sens en route. Ah puis ça là, le petit mur là, qui me doc là. Vous voyez quand je tape les ennemis, ma barre elle monte. Hop. Ah il était tout en fond. Attends, avec ses metteurs ils m'ont mis plein la poire. On va remonter un peu ma barre. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps. Hein. Putain, je trouve qu'il se remet vite sur ses pieds. Hein. Putain, ça monte pas vite ma barre, ça fout. Là, ils auraient pu mettre, je sais pas, le chevalier d'argent. Elle rencontre le chevalier d'argent, je sais plus comment ça s'appelle, ce que je voulais chercher comme chevalier d'argent. Ah ouais, le chevalier d'argent de la méduse, comme ça à cause de lui que Shiryu perd la vue. Juste avant d'aller à masque de mort, ça a été pas mal. Bon, je l'appelle masque de mort, hein, parce qu'il donne comme ça, il l'appelle comme ça dans le dessin animé. T'as même mon truc qui monte à la vitesse d'une tortue. Franchement, il y a du galère à monter. Ah, il m'en a mis quand même plein la tête, mais je vais quand même le battre. Ah. Et voilà, j'ai fini. Voilà, par contre, quand je bats le boss, hein, il me fait courir. Hein. Mais normalement, il se barre les mecs. J'étais quoi? Ah bah il marche partout, oui. Il court, le masque de mort, mais Joe. On s'est auto-touché tous les deux. Donc on va monter un peu là. Ah, vous voyez, mon attaque monte à 300, mon cosmos à 400. Donc là, avant qu'il fait son rayon. Maintenant, je me suis trompé de bouton. Là, je vais éjecter, j'ai pété un poteau. Mais il fait un drôle de pouvoir. Hein. Ah non, je suis pris en plein dedans. Ah, il bouge partout lui, hein. Il tient pas en place le cancer. Bah, je m'en sors quand même pas mal, hein, franchement. Même si là, il m'envoie une boule de la tête chercheuse. Donc hop, on l'évite. Je tape dans le vent. Franchement, la caméra, par moment, elle est un peu... Ah, mais c'est quoi sa boule, là, qui... Oh là là, j'en prends plein la poire, ça y est. Ouais, mais c'est quoi sa boule qui me poursuit, là? Ouais, mais... Hey. Putain, je suis poursuivi par une boule. C'est quoi cette affaire? Donc là, mon énergie monte, hein, vous voyez. Hein. Mais bon, tant que ça monte, hein, on attend de se faire shooter 20 fois. 1000, 20 fois. Ah, puis tant qu'il fait son pouvoir aussi. Hein. Par contre, ouais, là... Là, Shiryu, tu tapes le sac.
Moi je vais sûrement mourir hein. Même si là j'ai réussi à le toucher. Hop, on va éviter sa boule là. Je suis poursuivi par des âmes. Ça ressemble à des âmes. Hein. Là, je me concentre. Et ouais, allez, voilà le petit coup. Ah, j'ai récupéré de la vie. Ah, bah, ça tombe bien. Bijou, là, il fait plein de petits trucs. Il fait des boules de feu avec ses pieds et tout. Ouais, je l'ai battu première fois. Donc là, ah bah, je me retape des monstres. Hein. Il y a des morts vivants. Ah non, je suis pas encore à Resident Evil. Hein. Mais bon. Ah bah là, il... Oh. Hey. Ah, le temps qu'il fait son pouvoir, t'attends de te faire toucher 20 fois, c'est grave. On peut sortir son pouvoir plus vite, petit chariot là. Allez, vite, monte là-bas. Donc normalement on va voir Yoga, hein. Je sais pas si on le voit là sur le truc hein. Dans le terrain, parce que normalement dans le dessin de mi on le voit. Et Athéna déjà. T'es con qu'on les voit pas derrière dans le décor, ça t'es bien. J'aime pas ce sale tu ça. Ouais. Allez, fais ton truc là. Ouais, mais tant qu'il fait son pouvoir, oh lolo. Et en plus, moi, faut que je rentre dans le tour. Donc, si vous vous rappelez, un masque de mort, c'est le gardien des enfers, de la porte des enfers. Hein. Alors, c'est ça, a priori. Hein. Pourquoi il l'appellerait pas masque de mort. Donc là c'est deux stages en un. J'avais dit qu'il allait y avoir des surprises et non. Je me fais défoncer par des zombies encore plus fort que des chevaliers du Zodiac. En plus je me gorge bouton à chaque fois donc c'est super. Hop hop. Ouais, il arrive quand là, le bonhomme parce que franchement ça c'est pas marrant. Mais ils sont déjà morts, ça me dérange pas de les buter. Mais bon. On va me dire que ça fait rajouter un peu la durée de vie. Mais bon, 12 maisons puis celle du grand pop. Les chemins par maison, bon, ça fait un bon moment de jeu quand même. Là j'ai mis 9 minutes pour faire la maison du cancer. Quoi le... Ah oh, moi je vais tous les buter a priori. Oh, c'était le dernier. Donc, hop, on récupère tout. Il n'y a même plus ma barre de vie, il n'y a plus rien. Non moi je vais retourner à la maison. Ah oh, ouais, ok. またこの巨大級に死に顔が増えた。何？シリュウが生き返った。バカだ。シリュウの魂が石式から戻ってくるとは。残念ながら。Ah là, je peux faire mon attaque Big Bang. Est-ce que je vais réussir du premier coup? Ah bah non, comme d'hab. Ah mais lui il bouge trop vite.
Ah, j'ai franchement du mal avec les gros pouvoirs. Avec les attaques Big Bang, je galère vraiment. Hein. Bah, franchement, alors là, je suis pas doué. Hein. Voilà, je vais me retaper ta petite boule qui va me suivre partout. Oh, j'ai raté. Non, j'ai pas raté du tout. Bon, les attaques Big Bang, c'est vraiment mon point faible. Hein. Franchement, dans ce jeu-là. Ah, puis lui, il bouge trop. Hein. Franchement. Putain, j'arrive pas à faire les gros pouvoirs. Ah, ok, ça y est. L'envol du dragon. Et je l'ai eu. Donc on est reparti pour le royaume des morts. Combat. Donc là on va vraiment l'affronter trois fois. Hein. Ah, il bouge vraiment beaucoup lui. Ah, mais il prend beaucoup d'énergie là. Avec ses boules à la con. Ah mais il bouge trop là. Putain, il tient pas un peu à ce cancer. Là. Voilà, ça c'est bien. Ah, les pouvoirs, franchement. Ah, là, il va me faire. Ah, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Ah, mais ces pouvoirs sont pas terribles. Ah, voilà, je vais faire double tour. Ouais, mais là, lui c'est le roi de la boule. Hein. Ouais, mais franchement, c'est de l'arnaque. Il y a vraiment des pouvoirs de merde de Shiryu. Heureusement qu'au corps à corps il est déjà plus puissant que. Hein. Ah, mais tant qu'il fait ses pouvoirs, moi je crois que je vais mourir. Hein. Voilà, franchement, le masque de mort il me met plein la poire.
Il met une piche nette. Ah bah là je suis mort. Hein. Bah ça je fais sans douter, mais franchement. Waouh, premier passage en jeu c'est vraiment chaud. Même en normal. Voilà, ça va être remettre des 5 piques. Hein. Les mettre à Shiryu, si c'est une qui s'appelle. Donc là, une petite explosion, je l'ai même pas touché. Ah là je peux faire mon attaque Big Bang. Hein. Allez, remange, c'est bon, j'ai compris comment le sortir. Moi je l'envoie des dragons pour les enfants de la journée. Et voilà, je l'ai buté. Ouais, la jambière elle s'est barrée, mais il y a toujours la jambière dans l'armure. Reparti pour un combat. Alors là franchement le masque de mort c'est 4 fois. Ah ça va, ça perd la blinde de vie en 5-7. Un peu comme moi pareil. Donc là, hop. C'est vraiment facile. Hein. Le Nikon 5-7. もしや、よし。
On est parti, maison du lion. Oh, j'apprécie à fond. Ah bah tiens, deux chevaliers noirs d'un coup. Waouh. Deux chevaliers noirs en même temps. Et ils ont tous les deux des cheveux verts en plus. Ah, ça c'est magnifique. Et boum, et hop. Bon, heureusement qu'Axel est puissant. Hein. Allez, m'enchaîne bien là. Oh, il a shooté son pote. Bon, on va essayer d'en niquer quand même tout de suite. Hein. Ah mais là ils en profitent à deux, c'est hein. Ah mais je suis congelé là. Allez mon glaçon là, allez, dépêche. Je vais peut-être casser les trucs autour là pour récupérer du cosmos s'il y a moyen. Un petit vase avec du cosmos, ça m'aiderait bien là. Ah, c'est de la vie. Oh, mais il n'y a plus grand chose. Hein. Sauver mon cosmos, ça ne monte pas vite. Hein. Ouais, c'est vraiment que de la vie, quoi. Moi, je vais pas me plaindre non plus. Hein. Ouais, il me touche pas, je suis en l'air là. Ouais, il me fait deux fois le même coup. Ouais, je peux pas t'en sortir, c'est honteux. Putain, il me laisse pas broncher les deux là. Ouais, ça c'est bon. Ah, mais l'Andromède noir. Ah, il a sauvé son pote parce qu'il est presque mort les signes noirs. Hop, mange la puce nette. J'ai déjà tué un. Donc là, on va l'allumer. Ah, c'est épique là. Ah, c'est vraiment un combat épique. Même pas encore la maison du lion en plus. Ah, j'ai tous mes amis qui se connectent en plus en plein moment de mon truc. J'aurais dû les enlever, mais bon, j'aurais dû faire connexion, mais bon, comme c'est fait. Hein. Ah, mais. Allez, retombe là. Ah, c'est chiant ça. Ah, j'ai battu, allez hop. Allez, on avance, la maison du lion, les lobos. Et il y a encore des go, bijou. Elle s'est arriérée, mais ici.
Boum, allez, apprenez à voler les enfants, c'est magnifique. Elles sont bien longues les deux stages là. Ça change du premier stage avec le taureau. Que je mettais 5 minutes pour tout passer. Voilà, c'est fait. Allez, on peut y aller. Et voilà. On arrive à la maison du lion. Ouais, je me demande comment ils vont tourner l'histoire là par contre. Bon, je sais pas pourquoi ils volent. Il m'a pas touché par terre. Hein. Ah voilà, et mon 16ème sens il se barre au mauvais moment. Je vais me planquer derrière son truc, hein, sa statue. Oh bah, ouais. Ça sert à rien, il passe à travers. Oh bah, il la casse en plus. Il casse même ses trucs lui-même. Je vais lancer une comète dans sa tête. Bah là, il a complètement paré la comète. Ça ne servait à rien du tout. Donc a priori le combat je vais le faire en deux fois. Là. Oh bijou. On va faire ça tant que la boule elle reste coincée dans le décor. Il est coincé dans le décor, hein, le Golobo, regardez. Vous voyez l'intelligence artificielle en normal. Et bien, il fait 3 boules de suite dans le décor. Et voilà, premier round passé. Non, 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 non
Et on est reparti. Donc ils ont bien, comme dans le dessin animé, hein, Cassius s'y arrive pour protéger Seiya. Hein. Moi j'aurais vraiment préféré qu'ils le mettent juste devant le boss. Hein. Regardez, Nio, il contourne même pas l'obstacle. J'ai tout le temps de me récupérer mon cosmos tranquille. Merci. T'es gentil, toi. Ah, là, je peux faire mon gros pouvoir. Bien sûr, à chaque fois que je veux le faire, je le rate. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire tranquillou. À dire que ça marche pas que tous les gros pouvoirs, en fait. Ah bah, j'ai pas le temps de faire ma comète. Donc on va recharger tout ça. On va essayer, il a réagi. Ah bah. Milieu du combat. Ah, il m'a pas laissé de temps là. Sale. Eh, mange! Oh putain! C'est moi qui a mangé. Et il a sauté toutes mes comètes. Mais bon, on va essayer de leur mettre une, mais bon. S'il me laisse pas le temps. Ah, il me laisse pas le temps. Franchement, faire les attaques Big Bang dans le jeu, c'est bizarroïde, hein. Y'a rien à dire. Ah ouais, il me rattrape tout. Hein. Ah, mais lui, il est costaud. Hein. Ah, mais. J'arrive pas à les placer mes coups, c'est affreux. Ah, j'ai réussi à le mettre. Avec mes metteurs de Pégase. Oh, je l'ai même pas tué, ça. Mais bon, là, hop. Mais attends, c'était une sens. Et il va me buter, je sens. Bah ouais, il m'a buté. Donc, continue. Bon, mais à chaque fois, faut continuer hein, par partie, hein, parce que j'ai remarqué. Un petit continue, allez hop, on est reparti pour un tour. Ah bah voilà, je renais et je le tue. Seiya, 一つだけ教えて。
Alors merci d'avoir regardé ce deuxième partie de Let's Play sur les Chevaliers du Zodiac. Merci et à la prochaine.